Hein?
Du dramatisme, c'est pas si grave que ça. Mais enfin, regarde-nous. Tu te souviens ce que nous étions quand on s'est rencontrés? On s'aimait. On n'avait pas un sou, mais ce que nous voulions avant tout, c'était réussir notre vie. Et après, seulement après, réussir socialement. Hein? Je ne veux pas divorcer! C'est à cause du fric, hein! À cause du fric? Non, mais qu'est-ce que tu vas inventer encore, là? Eh bien, voilà un sujet que je ne voulais pas aborder, mais tu m'y obliges. Tu as vraiment un gros problème de ce côté-là. Tu supportes très bien qu'il rentre, mais tu ne supportes pas qu'il sorte. Comme tout le monde! Mais non, pas comme tout le monde! Quand tu es obligé de dépenser ne serait-ce que ça, ça t'arrache le cœur, les tripes! N'importe quoi! Tu me prends pour une imbécile? Nous sommes mariés sous le régime de la communauté. Si nous divorçons, tout est partagé à 50-50. Alors forcément, tu dis que tu m'aimes. Je le dis parce que c'est la vérité. Mais bien sûr. Quand on partage jamais, tu m'entends jamais. Tu te rends pas compte de ce que tu me demandes. Ce que l'entreprise représente pour moi. Toi, évidemment, tu arrives de la petite bourgeoisie. Mais moi, je suis né en dessous, bien en dessous. À 16 ans, je travaillais le jour et j'étudiais la nuit. Seulement aujourd'hui, le prêt-à-porter Chabrier, il est connu dans le monde entier. Je suis millionnaire, moi, tu m'entends? Millionnaire! Nous sommes millionnaires. Un petit peu de lucidité, s'il te plaît. Attends, je te rappelle que si nous avons démarré, c'est parce que j'ai fait un héritage qui a été notre première mise de fonds. Et c'est de là que tout est parti. Tu parles d'un héritage. 100 000 euros. L'argent de madame n'aurait pas été loin sans mes idées, tu m'entends? Mes idées. Nos idées, je te rappelle. Nous avons travaillé ensemble et j'ai eu beaucoup d'idées. Mais Catherine, mais même si je voulais te donner ta part, je pourrais pas. Tu peux comprendre ça, non? Je ne pourrais pas. La somme est trop importante et tout est investi, tout. Tu n'as qu'à vendre deux ou trois usines. Vendre deux ou trois? Non, mais tu es malade. Complètement malade. On est en plein délire, là. Tout ce qui est organisé, on perdrait plein de marché. Mais je m'en fous. J'exige mon argent. Pourrais-je parler à Monsieur Lepin, s'il vous plaît? Philippe? D'accord. Oui, eh bien, viens dès qu'il l'aura. Je lui ai demandé de m'appeler. À mon domicile, il a mon numéro. Merci beaucoup, oui. Oui, bonjour mademoiselle. Je souhaiterais un rendez-vous avec maître Lemont, s'il vous plaît. Catherine Chabrier, merci. Qu'est-ce que tu fais là? J'appelle mon avocat. Puisque tu refuses une séparation à l'amiable, je me passe de ton consentement et j'entame une procédure de divorce. Arrête! Ah mais laisse-moi t'y aller. Arrête! Mais laisse-moi t'y. Oui mademoiselle, je patiente. Mais c'est ridicule, on peut parler tranquillement quand même, non? Mais ça fait des semaines que nous parlons, en vain. Mais enfin Catherine, il y a certainement un terrain d'entente. Maître Lemont, je souhaiterais un rendez-vous le plus rapidement possible. Demain, 17h, c'est parfait. Catherine. Catherine, tu as raison. On a fait tellement de choses ensemble, hein? On a tellement lutté tous les deux pour réussir. Ah, puis c'est vrai que tu as eu de bonnes idées. Surtout en pub. C'était ton truc, ça, la pub, hein? Et puis c'est vrai aussi que sans ton héritage, on n'en serait peut-être pas là aujourd'hui. Oui, je sais, tout à l'heure j'ai dit le contraire, mais j'étais énervé. Tu me connais, quand je m'énerve, les mots dépassent ma pensée. Enfin, tout ça pour te dire que c'est notre œuvre à tous les deux. Ce serait idiot de le foutre par terre, non? Hein, Catherine? Puis je m'aurais pas sombré dans le mélo, mais comme on n'a pas pu avoir d'enfants, cette entreprise, c'est un peu notre bébé, non? Et sans compter que par-dessus le marché, tu m'aimes. Non mais t'es débile ou quoi? Qu'est-ce que tu vas faire de tout ce pognon, hein? Qu'est-ce que tu vas en foutre? T'acheter 3000 nouvelles robes, 10 000 paires de glaces? Parfaitement, plus 365 manteaux de fourrure, parce que si j'ai envie d'en mettre un différent, même en été sur la plage, ça me regarde. Mais nom de Dieu! Bon, Catherine, si tu veux absolument divorcer, je peux pas t'en empêcher, bien évidemment, mais pour le fric. On peut s'arranger tous les deux, non? On a besoin de personne. S'arranger? Comment ça? Je sais pas, faut réfléchir. Faut réfléchir. Tiens, allez. Je te donne 10%. 50-50, c'est la loi. Yes. Plus le bateau. La maison de Sologne. Tu l'aimes, la maison de Sologne? Je te la donne. Hein?
Demain, 17h, j'ai rendez-vous avec mon avocat. Désormais, c'est avec lui que tu discuteras de tout ça. Oh! Oh! Oh, rire! Mais qu'est-ce qui se passe? Mais mon Dieu, mais qu'est-ce qui se passe? Aidez-moi vite! Allez, faites-le rentrer! Ah, je suis chez moi, j'ai trouvé qui est encore en votre porte! Attention, attention, ma vie! C'est fait pour gagner de l'argent, voilà, c'est comme ça, et vous n'y changerez rien. Oh, eh bien, moi, je vais vous le dire, monsieur machin, là, je vais vous le dire,
suis mort. Mais non, vous n'êtes pas mort. On va s'occuper de vous. Je suis pas mort, hein, c'est sûr. Mais oui, c'est sûr. Allez, respirez calmement. Non, laissez-moi tranquille, il est trop tard. Mais non, on va s'occuper de vous. Allez, respirez doucement. J'y arrive pas, et puis j'ai froid. Ah, attendez. J'ai chaud. J'appelle un médecin. Tu n'appelles personne, c'est inutile. Quand j'étais môme, j'ai un oncle qui a voulu se suicider 4 ou 5 fois, je sais ce qu'il faut faire. On a de la nature d'iode? Oui. De l'alcool à 90? Bien sûr. Allez, on va aller chercher. On va le faire marcher. Attendez. Si vous permettez, je préférais que vous me donniez le reste de cachet, j'ai pas dû en prendre assez. Oui, c'est ça, votre opinion, on n'en a rien à foutre, mon vieux. Monsieur Morin, vous avez fini de dire des bêtises, on va vous sortir de là. C'est juste un mauvais moment à passer. Franchement, j'ai pas envie d'en sortir. Bouclez-la, on va vous sauver la poisse et tout. Mais parlez pas de cette façon. L'esclavage a été aboli en France. Continuez comme ça, et moi, c'est les flics que j'appelle. Non, mais vous croyez dans une banlieue difficile ici, on est dans le 16e. Allez, aidez-moi plutôt. Allez, mon vieux, allez, debout, allez, faut marcher. Allez. Allez hop, 1, 2, 3, c'est bien, allez. Voilà. Ah, ça va mieux déjà. Allez, bien. Attention, je vis toujours. Allez, bien, c'est bien. Ah bah ça va, ça ne tourne pas trop. Ah bah attention, doucement. Bah oui, c'est encore fragile. Bah oui. Au fait, je peux savoir pourquoi vous vous êtes écroulé spécialement sur mon paillasson? Hein? On pourrait peut-être un peu s'occuper de sa santé, non? Je vous dis qu'il reste rien, vous êtes débile, vous, ou quoi? Alors, pourquoi devant ma porte? À deux reprises, dans l'ascenseur, je vous ai dit que j'étais au chômage et que si vous pouviez me trouver 2-3 heures de travail par-ci, par-là, ça pourrait m'aider à m'en sortir. Les deux fois, vous m'avez répondu oui, oui. Et puis, il n'y a pas eu de suite. Dans l'ascenseur. Vous vous rappelez? Si, bien sûr, si. Allez, aide-moi. Allez. Tu es sûr de ce que tu fais? Oui, c'est bon. Allez. Allez, mon vieux. Mais ça va mieux. Ah, ça va mieux? Alors, c'est toujours ton roi. Allez. Bon, eh bien, moi, je vous laisse. Moi, tu restes là. Monsieur Jabrier, je vous préviens. Si jamais il y a un problème, je vous garantis, moi, je vais m'en occuper de votre image de marque. D'accord, mademoiselle Lénine. Il vous demande de rester ici par peur que je vous vole vos bijoux. Hein. Bon, ça va, vous, hein, votre agressivité, ça commence à bien faire. Oh, excusez-moi. Excusez-moi, je suis désolée. Vous le connaissez bien, ce monsieur? Vaguement. Il a sa chambre de bonne au-dessus, à côté de la mienne. On se croise de temps en temps. Dis bonjour, ça va? Je réponds ça va, et vous? Mais très bien, merci. Il avale des médicaments. Relation habituelle de voisinage, quoi. Je vous sers un petit montant? C'est pas de refus. Enfin, une phrase toute simple. Je me demandais si vous étiez capable de parler d'autre chose que de la lutte des classes. Remarquez, si vous êtes naïve, ça peut vous faire patienter encore une bonne vingtaine d'années. Ensuite, il faudra en arriver à des choses plus sérieuses. Les rhumatismes et les regrets sur votre vie ratée. Venez, asseyez-vous. Vous avez remarqué que nous aussi, on s'était déjà rencontrés dans l'ascenseur? Bien évidemment. Je sais même que vous êtes syndicaliste. Parce que je pensais que les gens du 6e étaient un peu, comment dire, transparents pour vous, non? Mademoiselle? Oui? Vous commencez à m'emmerder. Vous m'envoyez ravie. Mais drôlement bon ce truc. Ça doit pas être donné. Il coûte une fortune. Vous boirez le même. Si vous vous décidez un jour à abandonner la lutte des classes pour un travail digne de ce nom, vous serez peut-être cadre, marié enfin. Votre grand connard de mari vous trouvera bourgeoise, et votre problème fondamental sera « Mais où vais-je passer mes vacances cet été ?» Mais vous serez bien plus supportable qu'aujourd'hui. Bon, ça y est, ça s'arrange. Il est en train de vomir. Tu pourrais nous épargner ce genre de détails. Je sais pas comment le dire autrement. Bon, on va le garder ici cette nuit, parce que si on le laisse seul, cet andouille est capable de recommencer avec des médicaments plus sérieux. Après avoir écrit, bien évidemment,
que je suis un ignoble affameur du prolétariat. Et c'est pas vrai? Si, vous êtes contente? Vous remarquerez que mon mari s'est montré très efficace. Pas de médecin, un peu de teinture d'iode, de l'alcool à 90 et wouh! Vous voyez, soyez rassurés, votre charmant voisin semble sorti d'affaire. Hein. Et alors, papa Bosé, votre cher époux agit en pensant surtout à son intérêt personnel. D'ailleurs, les gens de votre milieu pensent toujours à eux et ensuite encore à eux. Mademoiselle, demain, je mets mon divorce en route. Vous allez pouvoir toucher mon égoïsme du doigt. Alors, votre révolution, je m'en fous. Vous voyez, devant les problèmes d'amour, les riches sont exactement comme les pauvres. Désolée, je savais pas. Et c'est grave pour vous, ce divorce? Vous n'allez quand même pas vous passionner sur la vie privée d'une imposée sur les grandes fortunes. Méfiez-vous. Vous pourriez découvrir que, malgré mes millions, je reste un être humain. Ça pourrait vous traumatiser. Ça pourrait même, sait-on jamais, vous donner envie de laisser tomber la révolution pour gagner de l'argent. Vous rendez-vous compte? Votre conversation deviendrait aussi fade qu'une escalope de veau aux hormones. Vous tracassez pas! Le fric, qu'est-ce qui vous arrive? J'en ai rien à foutre! Ah, mais ça me rassure, alors. Bon, il passe un pyjama. J'espère qu'il va nous foutre la paix, maintenant. Je peux le voir? Deuxième porte à gauche dans le couloir. Il est vraiment hors de danger, tu crois? Il aurait avalé des carambars, ça serait pareil. Non, moi je dis ça parce que si jamais il y avait un pépin... Il n'y aura pas de pépin. Parce que finalement, ces remèdes de bonne femme sont quand même très efficaces. Dis donc, c'est incroyable cette histoire. Hein. C'est très ennuyeux pour toi. Un voisin qui vient comme ça mourir sur ton paillasson. À ta place, je me ferais du souci. Hein. Oh, remarque. Il a sans doute fait ça pour manifester contre la société. C'est aussi inutile que de demander à Air France de ne plus faire grève. Hein. Ce type est un crétin, un point c'est tout. Tu vois les crétins partout, toi. On a toujours intérêt à prendre les gens pour des cons. On se trompe rarement. Il s'est endormi d'un seul coup. Ah bah tu vois. Vous pouvez me donner la lettre? La lettre? Celle où il explique pourquoi il veut mourir devant votre porte. Le fait qu'il soit toujours en vie ne change pas le problème. Il a voulu témoigner contre les gens comme vous. Ça pourrait intéresser les médias. Ah. Ça devrait même les passionner, dites-moi. Je crois. Seulement, justement, il y a un problème. Malencontreusement, je sais pas comment ça s'est fait, je l'ai avalé. Je vois. Eh ouais. Bon, eh bien, puisque tout est réglé, moi je vais me coucher. Ma Catherine? Oui? Tu ne dînes pas? Non. Tu as préparé quelque chose pour moi? Non. Ah bon, je me débrouillerai alors. Voilà. C'est ça. Dis-moi, Catherine, en ce qui concerne ton rendez-vous de demain, j'aimerais bien que tu... Moi, je n'aimerais pas. C'est toujours demain, 17h. Au revoir. Au revoir, mademoiselle. Salut. C'est la lutte. Vous comptez passer la nuit ici, vous? C'est la première fois que je viens chez des milliardaires, j'en profite. J'ai un peu l'impression d'être aux zoo. Ah oui. Alors la visite est terminée, la sortie c'est par là. Vous supportez pas les pauvres dans votre appart? Ça fait tâche. Vous allez quand même pas m'obliger à vous foutre dehors. Dites-moi, sans vouloir être indiscrète, il y a un truc que j'ai pas bien compris là. Vous n'avez pas de potes pour préparer votre dîner? Non mais attendez, vous croyez quand même pas que je vais payer quelqu'un à faire ça, alors que j'ai une bonne femme qui glande toute la journée à la maison? Alors là, on vient autour des cavernes. Vaut mieux que je vous quitte, salut! Stop! Pardon? D'habitude on a quelqu'un, mais pas en ce moment, voilà. Salut! Stop! C'est difficile à comprendre ça! Vous pensez parler à un de vos salariés là? Bon, je parle pas à mes salariés, moi. Asseyez-vous. Asseyez-vous. Je veux juste vous inviter à partager mon apéritif, enfin. Si ça vous tente, c'est pas un ordre. Non. Bon, allez, asseyez-vous. Non plus.
la récupération. Mais arrêtez de dire des conneries. Je viens là. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, vous? Je travaille dans une usine à mi-temps. Et syndicaliste pour le reste. Et où ça? Lutte ouvrière. Ah oui, je vois. Travailleur, travailleur. Sacré arme. Elle est incroyable. À plus de 75 ans, elle arrive encore à faire des petits bilans. Eh oui. C'est pas comme vous, d'après ce qu'on dit. Touché. Mais je me fous de votre syndicat. Non, ce que je vous demande, c'est ce que vous faites dans la vie, quoi. Dans quelle branche vous travaillez? Je vois pas pourquoi je développerais, vous en foutez, hein. Exact. En tout cas, moi, professionnellement, j'ai la prétention de me comporter correctement. Alors que vous, vous avez réussi en étant malhonnête. Et ça, tout le monde le sait. Eh oui, tout le monde le sait, mais personne ne peut le prouver. Ce que vous ignorez certainement, mademoiselle, c'est que quand on démarre du bas de l'échelle, on peut pas devenir riche, honnêtement. On peut pas. Et vous trouvez ça normal, vous, les entreprises que vous amenez à la faillite et que vous rachetez une bouchée de pain? Eh ben oui, c'est normal. Les mensonges, les magouilles font partie intégrante du monde des affaires et de la politique, comme vous le doutez. Le blâme. Excusez-moi. Ah, monsieur Morin. Comment ça va? Moyen, très moyen. Je suis désolé de vous déranger, mais j'ai besoin d'un verre d'eau. Je suis complètement desséché. Un verre d'eau, maintenant. Mais vous m'aurez tout fait, vous. Ah, dis donc, monsieur Morin, vous m'avez flanqué une sacrée trouille. Je suis conçu, enfin, je voulais pas vous déranger, vous. On a toujours eu des rapports de bon voisinage. Ouais, tandis que moi, vous vouliez ma peau. Merci beaucoup. Et bravo pour le mot que vous avez écrit. La presse serait tombée dessus, je vous dis pas le carnage. Mais au fait, elle est où, cette lettre? Il l'a avalée, hein. Eh oui, je suis comme ça, moi. J'avale tout ce qui sent pas bon. Et vous pouvez remercier mademoiselle, parce que avec vos cachets bidons, là, vous seriez resté devant ma porte toute la nuit. Justement, sauf votre respect, monsieur le directeur, j'avais longuement réfléchi avant, je savais ce que je faisais. Ah oui, alors excusez-nous de vous avoir sauvé la vie. Mais mettez-vous à ma place, je pensais me réveiller dans un monde meilleur, je me retrouve chez le PDG du 5e. On a remarqué, ça m'étonne pas, tout ce que j'entreprends, je le rate. Je crois qu'en fait, j'ai pas de chance. Oui, voilà, le vrai problème est là, j'ai pas de chance. J'essaie de vivre, ça se passe mal. J'essaie de mourir, ça se passe mal aussi. Faut pas dire ça, monsieur Morin. Oh, mais je suis lucide, hein. J'ai pris l'avion une fois, une seule. Et quand je suis arrivé au Balear, mes bagages étaient partis sur Istanbul. 15 jours avec la même chemise. Pour un week-end, je vais dans le Perche. Et ben, il y a une tornade. Une tornade dans le Perche. Les gens disaient, on n'a jamais vu ça. J'ai pris une tuile sur la tête. 15 jours d'hôpital. Voilà, remarquez, pour moi, une tuile, c'était normal. Hein. Sauf qu'elle vient du toit de l'hôpital. Et la fuite était juste au-dessus de mon lit. La chance, Morin. La chance. Il faut savoir la saisir au moment où elle passe. Une seconde avant, c'est trop tôt. Une seconde après, c'est trop tard. Parce que vous pensez que moi, quand elle arrive, je réagis pas bien? Mais vous réagissez pas du tout, je le sens. C'est le punch qui vous manque. Hein? L'avenir n'appartient pas aux plus doués. Il appartient à ceux qui foncent et qui voient grand. Ainsi, si vous vouliez réussir votre machin, là, hein, au lieu de prendre n'importe quelle cochonnerie, vous auriez pris des médicaments efficaces. Et en plus, vous sautiez par la fenêtre. Croyez-moi, vous seriez pas ici ce soir. C'est pas bête. Mais je ferai ça demain. Hein. Ouais. Mais du 6e, c'est plus sûr. Voilà. Qu'est-ce que vous racontez, hein? On va en parler tous les deux, hein? On va en parler. Et vous, bravo, hein, des conseils pareils, vous pouvez les garder. Monsieur Morin, pourquoi vouloir recommencer? C'est si grave que ça? J'ai plus rien. Ma femme m'a quitté, elle est partie avec mon fils, qu'elle m'empêche de voir. J'ai pas d'argent, pas d'amis. Ben, je vivais chez mes parents, mais ils sont morts il y a 2 ans. Ben, j'intéresse plus personne, vous savez. Et si je veux parler des amis, il faut que j'aille au cimetière, je trouve ça grave. Et votre fils, vous y pensez? Vous croyez pas que ça va lui faire un choc? Ça se trouve, sa mère lui dira même pas. Elle ferait pas ça, vous êtes son père quand même. J'en suis même pas sûr. Vous êtes tout ce que vous trouvez à dire, vous. Oh, mais attendez, il en a marre, il veut mourir, il est libre, non? Oh, c'est pas vrai. Merci bien, monsieur le directeur, merci bien. Bon, moi, je me sens mieux, je vais remonter chez moi. Pas question. Ce soir, on a commencé à vous sauver, on continue. Seulement, si je dois rester ici, ne croyez pas que je vais abuser de votre hospitalité, mais j'ai froid dans le lit. Froid? Chez moi?
Ça doit être à cause des médicaments. Bon, une couverture supplémentaire, ça ira? Ah oui, absolument. Bon, d'ailleurs, ça me fait penser, quand j'étais petit, ma grand-mère se servait d'une brique qu'elle faisait chauffer. Et ensuite, elle enveloppait dans un chiffon qu'elle faisait passer sur les draps. Ou en dessous. Oui, non, ça va. On est un peu à court de briques en ce moment, hein. La couverture suffira peut-être. Oui, ça ira. Monsieur Morin, faites pas ça, demain, il y a un autre jour. C'est beau, la vie, je vous assure que c'est beau. Laissez tomber, mademoiselle Duménil, il est trop tard. Écoutez, le fric sert à rien, il y a toujours une solution. Je vous aiderai à la trouver, si vous voulez, hein. Et la solitude ne servira à rien. Voir les minutes passer comme si c'était des heures, enfin, qu'est-ce que vous allez faire contre ça? Beaucoup de choses sont possibles. Vous pourriez apprendre une langue étrangère ou, je sais pas, vous pourriez faire des randonnées. C'est comme ça qu'on rencontre des gens. Vous trouverez des adresses si vous voulez. Hein? On va se débrouiller tous les deux, on va se débrouiller. Si vous voulez, on remonte au sixième et je m'occupe de vous. On ira se promener, on ira au ciné. Je vous ferai manger comme si j'étais votre grande sœur. Mmh. Ça vous plairait d'avoir une grande sœur comme moi? Ce que vous me proposez me touche beaucoup. Vous êtes adorable. Bon allez, venez avec moi, je vous emmène. Qu'est-ce que ça veut dire ça, je vous emmène? Bon, je vous emmène. Allez, venez avec moi, ici, c'est pas votre place. Il n'y a pas beaucoup d'endroits où je sois à ma place. Mais si, il y en a un, venez, je vous assure. Qu'est-ce que vous racontez tous les deux, là? La peur de vous déranger. Me déranger, moi? Mais c'est moi qui lui ai proposé de rester. Alors? Non, mais je vais rester ici. Sûr? Oui. Sûr et certain? Oui. Bon, ben, bonne nuit, monsieur Morin. Et pas de bêtises, hein. Et n'oubliez pas ce que je vous ai dit, ça tient toujours. Je n'oublie rien, merci mademoiselle. Je passerai demain pour savoir comment il va. Et c'est comme ça. Moi je vais me coucher aussi. Vous n'avez toujours pas changé d'avis? Les barbituriques sont toujours au programme? Oui. Plus la fenêtre. Parfait. Vous n'allez pas faire l'imbécile cette nuit? Je ne ferai pas l'imbécile chez vous cette nuit, promis. J'ai une proposition à vous faire. Une proposition? À moi? Alors je suis sur le point de... Oui, c'est justement ce qui m'intéresse. Asseyez-vous. Asseyez-vous! Oui, monsieur le directeur. Voilà. C'est une affaire très délicate. Ma femme et moi sommes mariés sous le régime de la communauté. Si l'un de nous meurt, l'autre hérite de tout. Vous comprenez ça? Jusqu'ici, c'est simple. Eh bien, il se trouve que ma femme a un grave problème. Avec l'argent. Elle est avare, quoi. Mais d'une avarice sordide. Ainsi, nous qui sommes aisés, comme vous le savez, eh bien, dans la rue, elle ne donne même pas un sou à SDF. Vous avez entendu ça? Pas un sou! Ça alors? Ouais, et avec le temps, son appât du gain s'accentue. Elle en est arrivée à être profondément malhonnête. C'est-à-dire? C'est difficile d'avouer une chose pareille, très difficile. Maintenant que vous avez commencé. Eh bien, à plusieurs reprises, elle a essayé de me tuer pour s'approprier notre fortune. Madame Chabrier? Oui. Mais vous restez avec elle, malgré le danger. Je n'abandonne jamais le terrain, je me méfie, c'est tout. Mais vous avez pensé à porter plainte? Mais je n'ai aucune preuve. Elle laisse le gaz ouvert. Elle dit que c'est un oubli. Elle fait fondre des cachets dans mon whisky. Elle dit que c'est une erreur, vous voyez le genre? Tout ça pour de l'argent? Hein? Non, mais quelle époque? Ouais, n'est-ce pas, quelle époque? Maintenant, on a plus le sens du salaire durement acquis. Hein? La notion de la beauté de l'effort. La sueur n'est plus valorisante. Aujourd'hui, tout le monde veut être riche sans se fatiguer. Alors, on escroque, on cambriole, on assassine. Et pire, on joue au loto. C'est décourageant. Pourquoi vous me racontez tout ça? Eh bien, parce que vous pouvez m'aider. Je vous explique. Demain, à 17h, ma femme a un rendez-vous. Bon, je la connais, elle ira par le métro, oui. Elle trouve le métro amusant, je sais pas pourquoi. C'est curieux. Oui, très. Alors voilà, bon, ma proposition va peut-être vous surprendre. Je vais m'enseigner, elle partira certainement de la station à côté, d'accord? Psychologiquement, ça ne pose pas de problème. Alors voilà, vous êtes sur le quai avant elle, le métro arrive, vous la poussez dessous. Tout le monde vous voit évidemment, on vous emmène au poste et là vous dites « C'était ma maîtresse, elle voulait me quitter, j'ai pas pu le supporter. » Et une fois en cellule, eh bien,
vous vous suicidez quand vous en aviez l'intention. Tu l'as pas fait, toi. Mais là, vous plaisantez ou vous parlez sérieusement? Je n'ai jamais été aussi sérieux de ma vie. Alors, qu'en pensez-vous? Mais c'est-à-dire que je suis quelqu'un de profondément intègre, moi. De toute ma vie, je n'ai jamais lésé personne, jamais. Hein? Alors, vous comprenez bien que... Forcément, je dirais, hein? Je suis un doux, moi, un respectueux de la vie. Une guêpe se colle sur ma tartine de confiture, je lui rends sa liberté. Un moustique est en train de me piquer, je ne l'écrase pas. Je le chasse courtoisement, car je respecte son comportement de moustique. Alors vous comprenez bien que dans ces conditions, écrabouillez Madame Chabrier. C'est une criminelle en puissance, ça change tout, ça. Je dis pas, mais moi, pourquoi je ferais ça? Très bonne question. Toute peine mérite salaire. J'ai cru comprendre que vous aviez un fils. Eh bien, une fois que ce sera fait, je lui ouvre un compte dont il pourra disposer à sa majorité. Je l'alimente à hauteur de 200 000 euros. De 200 000 euros? Oui. Non, mais comment c'est possible, une somme pareille? Je gagerai jamais ça toute ma vie en travaillant. Mais c'est évident, c'est pas ceux qui travaillent qui font fortune, c'est ceux qui les font travailler. Et votre ex-femme, elle n'est pas riche au moins. Elle est actrice. On n'a jamais vu une employée des postes faire fortune. Tant mieux. Alors, qu'en pensez-vous? Je suis pris au dépourvu, c'est une grosse somme. Soyez lucide, Morin, soyez lucide. Vous alliez vous suicider dans votre petite chambre uniquement parce que vous en aviez marre de la vie. Eh bien, c'est un acte égoïste, parfaitement égoïste. Une façon mesquine de ramener tout à vous. Moi, je vous propose de mourir utile. En suivant mon plan, vous offrez un avenir à votre fils. Vous me sauvez la vie. Vous débarrassez la société d'un être malfaisant, ma femme, qui au demeurant, si elle hérite de notre entreprise, s'empressera de la vendre à un groupe étranger. Alors je voudrais pas faire de grandes phrases, mais vous rendez service à la France, Morin. Parfaitement. À la France. Effectivement, c'est impressionnant, hein. Mais d'un autre côté, toute une vie de loyauté est donnée. Oui, bon, d'accord. 300 000 euros, ça ira. Mais non, c'est pas ça, monsieur le directeur, c'est pas ça. C'est pas une question d'argent. C'est une question de moralité. Hein? Moi, arrivé au ciel, je veux pouvoir regarder Dieu en face. Enfin, si vraiment je le vois. Parce qu'avec la chance que j'ai, je suis capable de passer devant lui sans le reconnaître. Mais soyez positif, soyez positif. Vous n'avez pas réussi votre vie. Essayez au moins de réussir votre mort. Je veux dire que dans un certain sens, votre proposition est intéressante. Offrir un avenir à mon fils, vous sauver la vie, rendre service à la France. Pour quelqu'un dont la plus grande aventure était de se retrouver 2 semaines au Baléares sans bagage... Alors, conclusion? Je préférais vous rendre ma réponse demain. Je suis un lent, moi. Faut pas trop me pousser. Demain, en vous rendant votre pyjama, je vous dis... Morin, n'oubliez pas ce que je vous ai dit. L'avenir appartient à ceux qui foncent. Impossible, monsieur le directeur, impossible. Moi, j'ai jamais foncé de ma vie, alors c'est pas ce soir, alors que j'ai encore l'estomac barbouillé, que je vais décider en 2 minutes, là, de... Oh, mais il y a des moments où il faut pas réfléchir, il faut agir. Moi, je suis capable de pas réfléchir et de pas agir. N'oubliez pas que je vous offre de mourir utile, c'est pas rien, ça. Je sais, monsieur le directeur, je sais. Alors, où est le problème? Moi, ce qui m'embête, c'est de pousser votre femme sous le métro. Créance, obligation, y'a que le pognon.
déjà réveillé? Oui. Dis donc, où est Morin? Il est pas dans sa chambre. On dit bonjour d'abord. Oui, bah bonjour. Je me suis levée tôt parce que j'ai mal dormi. Et quant à Morin, je l'ai envoyé chercher des croissants. Tiens. Ah. On dit non, merci. Non, merci. Voilà, c'est très bien. Quand je suis allée voir comment il se portait ce matin, je l'ai trouvé sur le lit, en train de sauter comme un kangourou. J'ai pensé qu'il valait mieux l'occuper. Ouais, et s'il se jette sous une voiture? Mais non, il m'a promis qu'il reviendrait, je lui fais confiance. Ben bien sûr, un type qui veut se suicider, l'envoyer chercher des croissants. Mais il y a des moments où t'es difficile à suivre. Oh mais ça c'est pas nouveau, hein. Tu sais, à l'idée que nous allons enfin divorcer, je me sens pousser des ailes. J'ai envie de faire des claquettes, de chanter des chansons napolitaines débiles. Eh ben tu sais, eh ben il m'en faudrait pas beaucoup pour que je tente un saut à l'élastique, moi dis donc. Catherine. Oui. Tu es toujours décidée? Plus que jamais. Et toi, toujours pas d'accord? Toujours pas, hein. Normal. Tu m'aimes. Ah bah oui, les sentiments, ça disparaît pas comme ça. Grossière erreur. L'amour, c'est comme un chardon. Ça naît, ça meurt, et entre les deux, ça pique. Oh, Catherine, écoute-moi. Regarde-moi. Je te regarde. Bon, regarde-moi. Je te regarde. On peut parler sérieusement. Mais je parle sérieusement. Oui, je sais, je suis pas marrant. Je rentre tard, je suis fatigué, j'ai des problèmes avec l'argent. Mais bon, j'ai tellement crevé de faim que j'ai peur que ça revienne. Quand j'étais môme, ma mère c'était la même chose. Elle, c'était le pain. Pourvu qu'on ait de quoi acheter du pain aujourd'hui. Oui, je sais, je sais. C'est pas une excuse, c'est pour t'expliquer. On ne peut pas gâcher sa vie et celle des autres parce qu'on a une enfance difficile. Bon, Catherine, je voudrais pas dire des choses banales, mais on a eu de beaux moments tous les deux, non? Effectivement, évitons les banalités. Et puis au lit, on s'entendait bien, c'est important ça. L'être humain est le seul animal qui puisse encore faire l'amour par politesse. Et puis ça remonte à loin, non? Oh, tu exagères, l'année dernière encore. Mais quelle mémoire! Catherine, je voudrais te parler une dernière fois sans m'énerver. Mais il y a un début à tout. Tu es devenu complètement sec, Philippe. La seule chose qui t'intéresse, c'est le fric. Parce que tu craches sur le fric, toi. Tu craches sur le fric, toi? Madame est bien contente d'avoir un superbe appartement, de faire des voyages, de s'acheter des bijoux à des prix exorbitants, parce que je suis pas fou. Tu jettes l'argent par les fenêtres, tu m'entends? Parfaitement, par les fenêtres. Mais qu'est-ce que t'en sais si je suis heureuse? L'appartement, tu n'y es jamais. Les voyages, je les fais sans toi. Et quant aux bijoux, tu ne les regardes même pas. Non, mais je veux passer des chèques avec un paquet de zéro. Et tu dis que tu m'aimes. Mais quand tu me parles d'amour, Philippe, tu es tout mou, tout calme. Mais alors, dès qu'on aborde la question du fric, alors là, le tigre se réveille. Monsieur Rugy, Monsieur Bondy. Stop, on arrête, ça va? On arrête. T'en as rien à faire de moi, Philippe. Tu ne veux pas que je parte avec ton argent, c'est tout. Tu sais ce que je vais en faire de ton fric quand nous serons divorcés? Je vais le donner, voilà, je vais le donner à la Croix-Rouge. C'est ça, à la Croix-Rouge. Ça, je te préviens, fais-moi une chose pareille. J'ai le gelé. Je te préviens. Si tu fais ça, je te fais interner, moi. Les hôpitaux psychiatriques, c'est pas fait pour les chiens. J'ai des relations pour arranger le coup. Dans une camisole de force, tu vas te retrouver, tu m'entends? Dans une camisole de force, dans votre gueule! Me faire interner, moi? Mais est-ce que tu t'es regardé? Rien qu'en disant bonjour à un médecin, il t'envoie un cure de sommeil. Dans ce sens, c'est clair, on ne divorce pas. Ce soir, 17h. C'est parti. Tu vas voir si c'est parti. Bon, elle décroche celle-là, oui. Oui, oui, bonjour. Pourrais-je parler à maître Colonna, s'il vous plaît? Monsieur Chabrier. Non, Chabrier! Merci. Allô, Bernard? Oui, c'est Philippe, je ne dérange pas? Oui, ça va, ça va, ça va. Oui, dis-moi juste un petit renseignement. Quand on est marié sous le régime de la communauté, en cas de séparation, le partage, c'est 50-50? C'est 50-50, oui. Oui, même pour tout ce qui a été acquis après le mariage. C'est 50-50. Ça peut pas être 80-20 ou 70-30. Non, je plaisante. Non, c'est un copain qui me posait la question, alors je me suis dit, tiens, je vais téléphoner à Bernard. Catherine? Ah, Catherine, oui, elle est en pleine forme, oui, comme tu dis, oui. Et toi, Françoise, le golf?
Ok. Bon, on se voit bientôt. Ok, d'accord, je t'embrasse. Bon, allez, bonsoir. Qu'est-ce que j'ai pu, voilà. 50-50, jamais. Qu'est-ce qu'il y a encore? Oh, bonjour, monsieur Jardrier. Heureusement, vous êtes là. Je peux entrer? Je suis très contente de vous voir à peu près normal. J'ai eu tellement peur, je suis encore sous le choc. Oh, ce qui est arrivé hier soir, quelle histoire! Oh là là! Votre femme n'est pas trop bouleversée? Vous avez réussi à dormir sans faire le cauchemar? Oh, je prendrais bien un petit verre, moi. Méfiez-vous, moi, parce que malgré tout, quand on a subi un traumatisme grave, prise d'otage, viol, intrusion dans la vie privée comme hier, eh bien, surtout, il faut parler. Il faut parler. Le secret, c'est parler. Ah, mais c'est de l'eau! Non, mais vous savez, parce que autrement, on pourrait croire que le drame est résolu. On commence à trouver que la vie est belle. Et puis, tout d'un coup, le mental s'écroule. Oui, parce que quand on a subi un traumatisme grave, donc, si vous éprouvez le besoin d'extérioriser, n'hésitez pas, venez me voir. C'est ça, on lui dira. Oh, tout de même, cet individu, venir troubler un immeuble de cette classe pour des raisons bassement personnelles, quel égoïsme! Oui, enfin bon, je pense qu'on va pouvoir surmonter ce petit drame. Hein. Bon, je vous remercie de votre visite, madame, mais moi, il faut que j'aille au bureau maintenant, hein, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Bien sûr. Au fait, la syndicaliste dit que vous hébergez cette personne. Effectivement, oui. Oh, mon Dieu, ne prenez pas de risque. Expulsez-la dès que possible et surtout faites désaffecter. La pauvreté, c'est contagieux, vous savez. Oui, c'est ça. On est bien. Elle n'est pas devenue riche par elle-même. Ça, c'est un héritage, c'est sûr. Bonjour. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Bonjour, monsieur le directeur. C'est madame Chabrier qui... Oui, je sais. Alors, comment ça va, vous? Très mal. Bah, logique. Quand on a loupé un suicide, aucune raison de pavoiser non plus. Bon. Avant, c'était pareil. Vous savez, quand on n'a plus de boulot, pas un rond, plus de famille... et qu'on se retrouve à mon âge dans une chambre de bonne, alors que la radio annonce que les entreprises sont de plus en plus de bénéfices, on se sent vraiment nul. Oui, certes. Enfin bon, la nuit porte en conseil. Avez-vous toujours l'intention de... Oui, et vous toujours décidé toujours, à... Toujours. Monsieur Morin, avez-vous réfléchi à ma proposition? Beaucoup. Seulement, moi, avant, j'étais comptable, hein, pas tueur à gages. Alors, au risque de vous décevoir, je préférerais remonter dans ma chambre et avaler mes cachets tranquillement, dans la discrétion, ça me correspond mieux. Monsieur Morin, n'oubliez pas ce que je vous ai dit. La chance, il faut savoir la saisir au moment où elle passe. Une seconde avant, c'est trop tôt, une seconde après, c'est trop tard. La chance, moi je ne saisis pas très bien dans cette histoire. Non, est-ce que c'est vraiment une chance de finir dans la peau d'un meurtrier? En revanche, le problème moral, je le vois gros comme un éléphant dans une cabine téléphonique. Mais soyez logique, monsieur Morin, soyez logique. À notre époque, il n'y a plus de morale. C'est fini, la morale. Il n'y a que le fric qui compte. Bon, ce qui me concerne, hein. Moi, je suis parti de rien. Je suis arrivé à rien. Mais j'ai ma conscience pour moi. Bon, bah, entre nous, c'est bien tout ce que vous avez, vous. Effectivement, et puis j'y tiens beaucoup. Et puis, comme je vous l'ai dit, je rate tout ce que j'entreprends. Si je dois pousser votre femme sous le métro, je suis capable de pousser à côté. Elle reste sur les caisses, c'est moi qui tombe sur les rails. À ce point-là. Un jour, dans un bistrot, deux types se battent. J'essaie bêtement de les séparer. Et ben là, ils m'attrapent et ils me jettent à deux reprises sur une vieille dame. Une vieille. Et ben, elle a porté plainte contre moi pour harcèlement sexuel. Une autre fois, ma femme me dit, on va chercher du ronron pour le chat. Franchement, du ronron, c'est pas compliqué. Et ben là, vous allez pas me croire. Si, je vous crois. Enfin, ce que je vous demande n'est quand même pas très compliqué. Pour moi, le plus simple est toujours compliqué. Une mort médiatisée, c'est valorisant, non? Oui, ben oui, mais médiatisé, vous croyez qu'on en parlerait? Mais comment ça? Mais bien sûr qu'on en parlerait! Vous allez passer pour l'amant de Catherine Chabrier, une femme qu'on voit dans tous les magazines en train de faire du cheval, du bateau, de visiter des crèches. Vous la tuez,
Vous vous pendez, on peut pas faire mieux pour faire la une des journaux pendant au moins 3 jours. Oui, mais moi je serai plus là pour le voir. Oh, mais arrêtez de ramener toujours tout à vous. Pensez un peu aux autres. Imaginez ce que vous allez apporter à tous ces gens qui sont comme vous, là, dans une situation précaire. Parce que moi je vais leur apporter quelque chose. Et bien sûr, une femme riche, belle, célèbre, amoureuse d'un pauvre type anonyme. Mais ça va donner de l'espoir dans tous les années peu de France. Chaque défavorisé se dira, mais pourquoi pas moi? Vous allez passer pour une sorte de symbole de la réussite, Morin. Moi? Oui, vous, Morin. Un symbole de la réussite? Oui, oui, oui. Alors, qu'en pensez-vous? Je suis tenté, monsieur le directeur, vraiment tenté. Effectivement, ce serait une fin très positive, seulement... Seulement? Seulement, moi, ce qui m'embête, c'est de pousser votre femme sous le métro. Oh, Morin, vous êtes pénible. Alors, franchement, pénible. Ah, monsieur Morin. T'es encore là, toi? Méfie-toi, tes salariés vont s'impatienter. Ah non, je partais. Je ramène monsieur Morin chez lui. Sûrement pas. Sûrement pas. Monsieur Morin, vous restez ici. Catherine, monsieur Morin a besoin de solitude. Il vient de le dire. N'est-ce pas, monsieur Morin? Oui. Hmm? Oui, 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 oui. En plus, je vous ai assez embêté comme ça. C'est vrai, venir m'écrouler devant votre porte, c'était plutôt sans gêne. Madame Chabrier, je vous remercie de votre hospitalité. Voilà, tu vois, il dit qu'il n'a plus besoin de nous. Allez hop, on avance. Mais je n'ai pas l'intention de vous séquestrer. Je me contenterai de vous offrir une tasse de café. Ensuite, vous pourrez retourner chez vous. À moins que vous préfériez du thé. Bon, moi, je m'en vais, j'en mets avec vous. Allez hop. Mais je fais aussi du chocolat, que je prépare moi-même. Alors, je fais fondre les tablettes dans une casserole. Oh, mon Dieu, non, de Dieu. Dans l'autre sens, parce que là, ça va. Monsieur Morin reste ici prendre un petit déjeuner. Ensuite, il fera ce qu'il voudra. Où est le problème? Monsieur Morin est assez grand pour décider lui-même, non? Alors, monsieur Morin, vous restez ou vous montez? Je pourrais peut-être rester ici encore un petit moment, histoire de faire plaisir à tout le monde. Je supporte pas les conflits, moi. Oh, ça me fait penser à un jour que la mère de ma femme était à la maison. Je dis, mais qu'est-ce... Oui, on en reparlera, hein. On en reparlera. Mais c'est pas urgent. Je le garde 1 minute 12, c'est bon? Bon, alors vous vous empifferez, mais une fois terminé, je vous attends là-haut, moi, d'accord? Promis, monsieur le directeur, là-haut. Vous ne m'avez pas répondu. Café, thé, chocolat? Vous avez besoin de solitude. Quand on a une grave décision à prendre, c'est indispensable. Bon, eh bien, ça sera comme pour moi un café, hein. C'est normal, après une aventure comme la vôtre, il faut faire le point, non? Vous prenez du sucre, monsieur Morin? Du sucre? Non, non, j'ai aussi du cholestérol. Bon, ben, je vais vous laisser, je vais y aller, moi. Bonne idée. Travaille bien, mon chéri. Sois dur, sois fort. Et surtout, ne te laisse pas impressionner par toutes ces crapules qui voudraient gagner autant d'argent que toi. Je te raconterai pour l'avocat. J'espère bien. Oui, oui, non. Vous voulez un petit croissant, monsieur Morin? Non, 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 je suis toujours barbouillé. Mais pourquoi mon mari ne veut-il pas que vous restiez ici? Pour m'aider à ne pas faire de bêtises, je suppose. Non, non, mon mari n'a jamais aidé qui que ce soit, je le connais. Non, non, il a certainement une bonne raison. Vous l'avez vraiment dit que vous vouliez retourner chez vous? Oui. N'allez pas me dire que vous aviez l'intention de recommencer quand même, hein? Non, 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 rassurez-vous, rassurez-vous. Bon, bah voilà. Merci pour tout, hein. Vous avez été vraiment charmante, hein. Je vous quitte maintenant. Vous restez ici toute la journée. Je viens de promettre à votre mari de remonter chez moi et vous lui avez dit que c'était d'accord? Je lui ai raconté n'importe quoi pour qu'il s'en aille. Et de toute façon, que vous soyez ici ou ailleurs, mort ou vivant, entre nous, il s'en fiche royalement. Un pied? Non, non, merci. Madame Chabrier, je préférais remonter. Il m'est arrivé en une nuit plus de choses que durant toute ma vie. J'ai besoin d'y voir clair. Non, non, non. Monsieur Morin, je n'ai pas du tout envie de vous voir retourner dans votre chambre de bonne. Vous allez forcément déprimer. Je suis pauvre, je suis seule, j'ai du cholestérol. Et voilà, rebarbiturique. Non, non, vous restez ici. La petite syndicaliste va revenir.
Elle est politiquement incorrecte, mais humainement, elle n'est pas si mal que ça. Nous allons organiser des tours de garde pour ne pas vous laisser seul une minute. Et si je suis pas d'accord? Eh bien, je vous enferme à clé, immédiatement. Et qu'est-ce que j'ai bien fait de venir ici, moi, alors hein? Quand je pense que j'aurais très bien pu aller au quatrième, au troisième, ou au deuxième, c'est la même chose, ils sont tous riches. Hein, je leur aurais dit, laissez-moi mourir. Ils m'auraient répondu, allez-y, on n'en a rien à foutre. Et ce serait déjà réglé. Mais naturellement, je n'ai pas intention de vous mettre sous cloche éternellement. Non, juste quelques jours, le temps de vous remettre. Monsieur Morin, à un moment ou à un autre, vous allez forcément vous retrouver seul chez vous. Si jamais vos idées noires reviennent, pensez d'abord à votre fils et venez me voir. À n'importe quelle heure, vous sonnez et j'ouvre. Je sonne et vous ouvrez. Tout simplement. Eh ben, je prendrai bien un petit café, finalement. Ah. Et avec du sucre, hein, j'ai besoin de me dynamiser. Pourquoi vous me regardez comme ça? Je me demandais qui vous étiez, vraiment. Oh. Voilà une question que je me pose aussi souvent. Oh. Ah bah, mon sang, 4, 5... Monsieur Morin, j'aimerais maintenant que vous preniez ce que j'ai à vous dire le plus simplement possible. Oui. C'est déplorable. C'est vraiment déplorable que dans un même immeuble, les gens se disent tout juste « bonjour, bonsoir », qu'au sixième, un homme en arrive à avoir envie de mourir et qu'en dessous, personne ne puisse l'aider. Enfin, en ce qui concerne votre fils, que vous ne pouvez plus voir, je ne peux rien. Mais pour l'argent, je peux. Vous pouvez quoi? Ah, mais je sais que ça n'arrange pas tout. Ça, je le sais bien. Mais ça aide beaucoup. Je vais vous faire un chèque de 100 000 euros. 100 000 euros? Oui, comme ça, vous serez sécurisé pendant un certain temps. Qu'en dites-vous? Mais non, mais c'est trop. C'est beaucoup trop, ça. La somme vous effraie. Oui, bah alors, 75 000, ça vous conviendrait mieux. Mais non, c'est pas ça, c'est pas ça. 50 000. Mais non. Bon, 25 000, mais n'allons pas plus bas, parce que vraiment, mais non. C'est ça ridicule. Monsieur Morin, je vais vous faire le chèque. Madame Chablier, s'il vous plaît. Enfin, monsieur Morin, ne faites pas de manière. S'il vous plaît. Ça ne me gêne en rien. Alors vraiment, si ça peut vous aider... Hein. Non, mais alors là, mais moi, je comprends plus rien, alors. Mais vous ne comprenez plus quoi, monsieur Morin? Mais qu'est-ce qui se passe, monsieur Morin? Qu'est-ce qui se passe, monsieur Morin? Votre mari m'a dit que vous étiez avare. Moi, alors lui, il ne sait qu'entasser l'argent et le garder, alors que moi, j'ai un vrai don pour le dépenser. Ça le rend fou. Qu'est-ce que vous avez encore à me regarder comme ça? Et pourquoi inventer des choses pareilles? Je sais pas, mais je me dis que s'il a menti sur un point, il a peut-être aussi menti sur d'autres. Et ça expliquerait pourquoi il ne veut pas que je reste seul avec vous. Vous pourriez être un petit peu plus clair, là? Madame, je vais vous poser une question qui va peut-être vous paraître étrange, parce que quoi qu'il arrive, vous êtes obligé de répondre non. Mais il me semble qu'à votre façon de parler, je saurai la vérité. Madame Chabrier, avez-vous déjà eu l'intention à plusieurs reprises de tuer votre mari? Mais ça n'a pas de sens! Mais pourquoi le tuer? Pour avoir la totalité de votre fortune commune. C'est lui qui vous a dit ça? Oui. Mais c'est quand même pas mon intention de divorcer qui le fait délirer à ce point-là. Ah, vous divorcez? Oui, ce soir, 17h, j'entame la procédure. Ah, je commence à voir. Vous pourriez m'expliquer? Il m'a dit aussi que vous étiez un être malfaisant et pervers. Enfin, mais pourquoi raconte-t-il des choses aussi stupides et pourquoi à vous? Enfin, mais ça ne rime à rien. Oh, si, ça rime. Oh, si. Je vous écoute. Il m'a demandé de vous tuer. D'après lui, pour sauver sa peau. Il vous a vraiment demandé ça? Le plan, c'est ce soir. Je vous pousse sous le métro. Puis je me suicide, puis je me dénonce. Vous êtes certain de ce que vous dites? Non. Je me
me dénonce d'abord et je me suicide après. Oui, c'est ça. Mais ça devait bien se passer ce soir. Il a même tenté de me convaincre de faire disparaître un être malfaisant, c'était rendre service à la France. C'est pas possible. C'est pas possible. Mais moi, je vous le dis, c'est pour que vous puissiez réagir. Parce que va falloir vous méfier maintenant, parce que si moi je me désiste, et forcément je me désiste, il va bien sûr trouver autre chose. Hein, vous risquez de vous faire attaquer par des voyous, ou renverser par un chauffard, ou Dieu sait quoi encore. Mais c'est pas possible, et vivre tant d'années avec un homme et le connaître aussi mal. Quand je pense à ce qu'il était quand on s'est rencontrés, il sortait de sa banlieue pourrie, il voulait changer le monde. Ah, il s'est contenté de changer de milieu, oui. Je vais le laisser, je lui laisse ma part. C'est trop moche. C'est beaucoup trop moche. Oh, le salaud, mais le salaud. Bougez pas, je vais ouvrir. Bonjour, monsieur Morin. Ah, mais je vois que ça s'arrange, si je le sens. Ça, c'est une bonne nouvelle, hein, dis donc. En revanche, vous... C'est Tchernobyl! Qu'est-ce qui se passe? La bourse a perdu 5 points! Excusez-moi, monsieur Morin, servez un petit café à mademoiselle. Je vous remercie de m'avoir prévenu. Vraiment, ça me touche beaucoup. Merci beaucoup. Bon, merci. Excusez-moi. Qu'est-ce qu'elle a? Vous fraternisez avec le grand capital maintenant. Elle vous fait la bise. Mais c'est quoi ce bordel? Hier, je vous laisse ici, mourant. Et ce matin, on dirait que vous êtes comme chez vous, dans votre douce pièce cuisine. Faut dire qu'en ce moment, ça bouge, hein. Ça bouge même beaucoup. J'ai l'impression d'être tombé dans une machine à laver tournée avec le linge, quoi. Mais c'est vrai que vous avez l'air un peu nerveux. Hein. C'est le café. Il est tellement fort. Bon alors, comment ça va? Moi? Oui, vous. Votre envie de splash toujours là? Je sais pas, j'ai plus beaucoup de temps d'y penser. Oh, mais c'est bien ça, c'est bon signe. Bon alors, qu'est-ce que vous allez faire aujourd'hui? Faut surtout pas rester seul. Hein. Si vous voulez, je me fais porter malade et on passe la journée ensemble. Non, mais je vais rester ici. Ah, monsieur s'habitue au luxe. Pas du tout, mais comme madame Chabrier a des soucis... Quel genre? Des soucis. Ça ne serait pas correct de la laisser seule en ce moment. C'est une personne très respectable, à mon avis. Et comme vous le savez, aujourd'hui, le sens du respect d'autrui est très atténué. Excusez-moi, j'ai fait un petit malaise. Ah, je vois que monsieur Morin vous a servi un café. Très bon, merci. Mademoiselle se proposait de se faire porter malade pour me tenir compagnie. Oh non, mademoiselle. Ne perdez pas une journée de travail. Non. Je vais rester ici toute la journée, je vais surveiller notre ami. Bon, je crois d'ailleurs que M. Morin n'a pas l'intention de recommencer. C'est-à-dire qu'en ce moment, j'ai tellement de choses en tête que je sais ni quoi faire, ni par quoi commencer. Ouais, j'ai compris. Mademoiselle, repassez ce soir à 20h, nous prendrons l'apéritif. Hein, et nous envisagerons ensemble ce qu'il y a de mieux pour M. Morin. C'est que nous en sommes tous un petit peu responsables, là, maintenant. Hein. Oui. Bon, ben, ok, je vous laisse. Allez, pas de bêtises, hein. À ce soir. Monsieur Morin, j'ai pris une décision. Quel propos? Oh, ça va sûrement vous étonner. Ça va même certainement vous étonner. Ah oui, ça, je dois dire, j'ai craqué tout à l'heure en apprenant ses intentions, mais je me suis reprise. Ah, ça, je dois dire, j'ai été bouleversée. Je vais tuer mon mari. Mais là, vous plaisantez, vous parlez sérieusement, vous avez vraiment l'intention? Oui, quand il s'apercevra que vous n'avez pas réussi son plan, il recommencera, je le connais. Il faut que je réagisse, il faut que je passe à l'action avant lui. C'est décidé, c'est pour ce soir. Madame Chabrier, vous dites ça, mais vous n'aurez jamais le courage de... Et pourquoi? Mais parce que vous l'avez aimé. Mais ça, c'est le cheminement habituel de tous les couples. On commence par s'aimer... Ensuite, on se supporte péniblement. Et pour terminer, on se déteste. Mais dans ces cas-là, on se sépare, on s'extermine pas. Ah, mais ça, c'est parce qu'on a peur d'être découvert. Si tous les gens qui sont exaspérés par leur conjoint pouvaient discrètement les évacuer dans un sac poubelle, croyez-moi, il faudrait recruter chez les éboueurs. Madame Chabrier, reprenez-vous, réfléchissez.
Certes, nous vivons une époque où les couples se séparent facilement, mais de là à remplacer le divorce par le sac poubelle, c'est peut-être aller un peu loin. Si ce n'est pas lui, c'est moi. Entre nous, je préfère que ce soit lui. Vous n'y arriverez pas puisque vous êtes quelqu'un de profondément honnête. Ça se sent, ça se domine. Ah, mais vous êtes vraiment un fin psychologue, monsieur Morin. Pendant les 8 ans où j'ai travaillé avec Chabrier, j'ai truqué, magouillé, escroqué comme c'est pas permis. S'il y avait un festival de Cannes de la malhonnêteté, croyez-moi, j'aurais la palme d'or. Vous ? Oui, moi. Bon. Mettons que vous ayez gagné de l'argent d'une façon ambiguë, mais n'empêche que c'est très dangereux, vous risquez de vous faire prendre. Non, non, non. J'ai un plan imparable. Ça ressemblera à un accident. Mais pour ce plan... J'ai besoin de votre aide. J'ai donc une proposition à vous faire. Oh non, mais c'est pas vrai ça. Je vous le dis franchement, je pourrais pas. Mais monsieur Morin, mais écoutez-moi. Non, je vois très bien ce que vous allez me demander. C'est simple, je pourrais pas. Monsieur Morin, mais laissez-moi vous expliquer. Non, j'écoute pas. Monsieur Morin. Monsieur Morin. Mais je peux parler, oui. Je ne vous demande pas de le tuer. C'est moi qui vais le faire. Je vous demande simplement un faux témoignage. Un faux témoignage? Oui. Quand mon mari rentre le soir, il prend un bain pour se détendre. Comme il est très frileux, il met un petit radiateur d'appoint sur une petite étagère juste au-dessus de la baignoire. Oh, ça part mal. La syndicaliste est vous êtes ici en train de siroter votre apéritif. À un moment donné, vous partez dans la cuisine. Moi, j'en profite, je fonce à la salle de bain. Je jette le radiateur dans la baignoire. Mon mari est électrocuté. Je reviens dans le salon. La petite syndicaliste ne s'est pas aperçue de mon absence. Elle est toujours dans la cuisine. Alors, 3 minutes après, je retourne à la salle de bain. Je découvre l'accident. En cas d'enquête, j'ai 2 témoins. Le seul problème qui reste à régler, c'est est-ce qu'un radiateur d'appoint dans une baignoire, ça suffit pour... Ça faudrait savoir. Ah ben, il faut que je sois sûre. Qu'est-ce que je pourrais bien faire? Je vais faire un test. Je vais acheter des truites vivantes. Je vais les plonger dans la baignoire. Je jette un radiateur d'appoint dessus. Si elles meurent, c'est vrai. Dans le fond, un homme, c'est jamais qu'une grosse truite. Qu'en pensez-vous, monsieur Morin? Je n'en pense rien, moi, ma chère madame. Absolument rien. Moi, quand j'ai un problème avec quelqu'un, je ne me fais pas griller. Mais vous avez quand même bien la vie personnelle, non? Madame Chabrier, un faux témoignage, je ne peux pas. De toute ma vie, je n'ai jamais menti. Jamais. Je ne peux pas. J'ai compris. J'ai affaire à un honnête homme. Quel est votre prénom? Georges. Ce que je vous demande n'est pas grand-chose. Dire simplement que personne n'a quitté la pièce. C'est à peine un petit mensonge, dirais-je, une subtilité de langage. Subtilité de langage. Oui, bah pas pour tout le monde. Parce que moi, je pourrais pas m'empêcher d'imaginer l'oncle là dans sa baignoire. C'est pas subtil pour de rond, ça. Mais enfin, vous pouvez bien faire ça pour moi. Qu'est-ce qu'un petit mensonge de rien du tout? Madame Chabrine, il y a forcément une autre solution. Je tiens à vous dire que vous n'aurez pas affaire à une ingrate. Ah, de l'argent. Ça, moi, on ne m'achète pas. Cet argent me brûlerait les doigts. Tenez, je vous rends votre chèque. Mais monsieur Morin, mais allez, je vous en prie, faites ça pour moi. J'ai dit non. Georges, non. S'il vous plaît. Faites ça pour moi. J'ai du mal à respirer, là. Et puis j'ai une sorte de barre, là. Mais enfin, aucune enquête ne sera ouverte. Ça sera un accident domestique comme il y en a tant. Non, mais quelle histoire. J'ai des années dans la comptabilité préparatoire avec les genres de problèmes. Par ailleurs, il faut être lucide. Un jour ou l'autre, il finira par mettre de la morora sur une de vos tartines ou quelque chose dans le genre. Ah, mais ça me prend au nez, c'est sûr. Je suis devant un sacré dilemme, moi.
ou je deviens malhonnête, je vous aide et il est mort. Ou je reste honnête, je vous aide pas, mais vous êtes morte. Évidemment. Oh, évidemment. Quelle galère. Quelle galère. Moi, je suis venu ici pour me suicider, rien de plus. J'avais mes petits problèmes de peau. Et avec mon manque de chance habituelle, je me retrouve avec vos gros problèmes de riche. Je crois que je vais remonter chez moi, me faire une bonne camomille et aller au journal tranquille. Ah non, non, Georges, revenez. Vous ne ferez pas ça, Georges. Vous ne le ferez pas parce que vous êtes quelqu'un de bien. Je ne vous imagine pas du tout au sixième en train de lire tranquillement votre journal, alors qu'en dessous, une femme qui vous a aidé est en train de se faire assassiner. Je supporte beaucoup mieux la souffrance des autres que la sienne. Je ne crois pas un mot de ce que vous me dites. Georges, faites ça pour moi, s'il vous plaît. Georges. Moi, je ne sais pas. Je vous le dis franchement, je ne sais pas. Et puis j'ai toujours ma nausée, là. Et j'ai toujours ma barre, là, que ça. Oh, puis mes jambes, oh, puis crottes. Bon, vous savez ce qu'on va faire, Georges? Je vais m'habiller, on va faire un tour. Prendre l'air va vous faire du bien. D'accord? Vous me laissez un petit instant, je me prépare et on y va. À tout de suite. Oui, oui, ma femme. Elle se change. Qu'est-ce que vous foutez là? Ça fait un siècle que j'attends là-haut, moi. Vous deviez remonter tout de suite. Mais c'était prévu, quoi, mais vous savez ce que c'est. Quoi? Non, mais attendez. Attends, il y a du nouveau. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Monsieur le directeur, j'ai l'impression que vous avez raconté des histoires à propos de votre femme. Elle n'est pas du tout telle que vous me l'aviez décrite. Ah oui, je vois. Vous avez bavassé avec elle. Vous la trouvez sympathique et du coup, vous la voyez incapable de vouloir débarrasser de moi, c'est ça? Voilà. Encore que... incapable... Vous savez que vous venez de moins en moins net, vous? J'ai toujours ma barre. Mais bon. Donc elle vous a fait bonne impression, c'est ça? Très. Si bien que j'en arrive à me dire qu'il n'est pas absolument impossible que vous m'ayez demandé d'éliminer une femme innocente uniquement pour servir vos intérêts personnels. Et qu'est-ce qui vous fait dire ça, vous? D'abord, en ce qui concerne son avarice, par exemple, ça me semble pas du tout évident, c'est même le contraire. Elle vous a proposé de l'argent. Mais mon pauvre Nora, c'est une excellente comédienne qui s'est donné parfaitement le change. Ah oui. Et pour quoi faire? Pour dépenser. Oh, mais pour quelle raison? Au départ, pour m'aider à vivre mieux. Et 400 000 euros. Quoi? 400 000 pour vivre mieux? Vous êtes naïf, mon pauvre Morin. Vous êtes naïf. Est-ce que vous pensez qu'elle a une idée derrière la tête? On ne donne rien pour rien. Et elle ne vous a pas demandé en échange un service quelconque. Non. Vous êtes sûr? Oui. Eh bien, ça va pas tarder. Et ce ne sera pas un petit service de rien du tout. Vous croyez? Pour qu'elle propose une somme pareille. Elle vous a fait le chèque? Oui, mais je l'ai déchiré. Enfin, j'étais gêné, moi, vous comprenez. Un cadeau d'une telle importance juste pour m'aider. Juste pour m'aider? Mais elle n'a jamais aidé personne. C'est pas son genre. Morin, votre chèque, vous le verrez jamais. C'est un être ignoble qui cache admirablement son jeu et qui va pas tarder à vous demander une sale besogne. C'est pour ça qu'il faut faire vite. Elle a déjà essayé de me tuer à plusieurs reprises. Elle va pas tarder à commencer. Vous me jurez que tout ça est vrai? Sur la tête de ma fille. Je peux compter sur votre coopération? Vous seul pouvez m'aider, Morin, vous seul! Alors, moi je sais plus. Oui, bon, d'accord, je vais faire un dernier effort. Mais c'est le dernier, hein! 410 000. 410 000? Oui, mais maintenant il faut faire vite, on n'a plus le temps. Alors, votre réponse, c'est oui ou c'est non? Alors là, j'hésite, moi. Écoutez, mais j'en ai marre de vos hésitations, c'est oui ou non? Oui ou non? Oui! Sous le métro! Oui, sous le métro! Bravo! Allez, hop, c'est parti! Bravo! Vous allez mourir en faisant le bien autour de vous! Et ça, c'est pas donné à tout le monde! Bravo, moi! Dans le fond, c'est facile de mentir, il m'a cru tout de suite. Et en plus, c'est rigolo, franchement rigolo. J'aurais pas cru. Seulement, il y a un problème. Un des deux doit disparaître. Mais lequel ?
Maintenant que c'est vous qui dites la vérité. C'est vous qui dites la vérité, mais je vous en prie, reprenez-vous, réfléchissez. C'est tout réfléchi. Eh bien alors, je suis désolé, mais dès que M. Chabrier arrive, je le préviens. Je ne veux pas être complice d'une chose pareille. C'est votre dernier mot ? Dernier mot. Bon, contrainte et forcée, j'abandonne. Ah, bravo. Ah, je suis content. Franchement content. Je suis sûr que vous, votre mari, finirez par trouver un terrain d'entente. Mais finalement, je me demande si lui aussi bien que vous êtes vraiment sérieux dans ces questions. La preuve. Est-ce que vous avez acheté vos fameuses truites ? Oui. Non, ça m'est complètement sorti de la tête. Ben vous voyez, hein, finalement, vous n'avez jamais eu l'intention de tuer votre mari. Hein, vous avez fabulé cet humain. Toutes les femmes rêvent un jour ou l'autre de tuer leur mari. Mais finalement, est-ce qu'on tente de démarrer une analyse ou un adultère ? Parce que entre nous, un psychiatre ou un amant, c'est pareil. Hein. C'est toujours un type qui vous écoute parler, mais qu'on n'a rien à foutre. Ah. Bonsoir, madame. Bonsoir, mademoiselle. Vous avez vu, l'ascenseur est encore en panne. Oui, je sais. Ah, il est vivant! Alors, comment ça va? Je viens... Bien.
très bien. Georges exagère. Il va moyennement bien. C'est Catherine qui exagère. Oh. Il va beaucoup mieux. C'est ça, oui. C'est ça. C'est ça, oui. Vous mangez à tous les râteliers, vous? Vous l'appelez Catherine, elle vous dit Georges, mais qu'est-ce qui se passe? Bon, ça s'est fait comme ça, incidemment. Méfiez-vous, se montrer proche du prolétariat est une tactique de la bourgeoisie. Plus on trouve son patron sympa, moins on a envie de le combattre. Oh, excusez-moi, mademoiselle Duménil, mais franchement, ce soir, la répartition des richesses... Ah ben, c'est pourtant important, hein. Salut. Alors? Alors quoi? Comment alors quoi, mais bon Dieu? Ah oui, La journée était bonne? Le 4,40 se maintient, au moins. Personnellement, je ne l'ai pas. Je me suis glissée derrière quelqu'un dans le métro et j'ai économisé un ticket. Comme diraient les milliardaires, il n'y a pas de petit profit. Hein? Bonsoir, Philippe. Bonsoir, Catherine. Pas trop fatiguée? Ça va, ça va. Qu'est-ce qui se passe, Philippe? Tu as l'air tendu. Hein? Non, non. Tu n'as travaillé que 12 heures aujourd'hui, tu es en manque, c'est ça? Non, j'ai des ennuis. De quel genre? C'est grave? Pardon? Je dis, c'est grave? Peut-être, oui, je sais pas. Les ouvriers d'un atelier de Hong Kong menacent de faire grève. Des Chinois, faire grève. Ils ne savent même pas ce que c'est. D'autant plus qu'ils sont comme toi, mon chéri. Tant qu'ils n'ont pas fait 15 heures par jour, ils ont l'impression d'être en vacances. Hein. Ils ne demandent quand même pas une augmentation sans avoir conscience de tous les sacrifices que vous faites pour leur donner un salaire de misère. Ils poussent un peu quand même ces Chinois. Hein. C'est justement ça le problème. Les Chinois ne peuvent pas pousser. Qu'est-ce que vous faites là, vous? J'ai posé une question, qu'est-ce qu'elle fout là, elle? Je fous que je viens prendre un pont. C'est moi qui lui ai demandé de passer pour parler de Monsieur Morin. Mademoiselle, vous pouvez venir avec moi en cuisine? J'ai un petit problème culinaire à régler. Okay. Détends-toi, mon chéri. Après un bon bain chaud, tes 500 millions de Chinois te sembleront désopilants. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai voulu, j'ai pas pu. Vous m'aviez donné votre parole. Je sais, mais seulement l'idée de... Je m'en doutais quand j'ai vu qu'on ne me prévenait pas au bureau. Je suis désolé, hein. Franchement, désolé. Putain, mais est-ce que vous avez essayé au moins? Non. Mon honnêteté s'est complètement répulsée. Votre honnêteté, votre connerie, oui. Ah non, alors là, je m'inscris en faux. L'honnêteté et la connerie vont toujours de pair. Non, je suis pas d'accord. L'intelligence est une chose relative. On est toujours le con de quelqu'un. Votre opinion, j'en ai rien à foutre, moi. Voyez, on se calme. Vous avez flanché, c'est pas dramatique. Si on remettait ça demain, hein? Non, non, demain, après-demain, l'année prochaine, impossible. Vous êtes un nul. Vous êtes un gros nul. Enfin quoi? Je vous sauve la vie. Je vous propose de mourir en beauté plus 410 000 et monsieur se défile. Monsieur se défile. Vous serez jamais riche. Jamais vous serez riche. Vous finirez malade, indigent. Vous aurez un enterrement de SDF. Et une nuit, les jeunes fascistes viendront sur votre tombe pour boire de la bière en braillant des chants nazis. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Non, rien. Je faisais un bras de morale à monsieur Morin pour qu'il arrête d'avaler des cachets payés par la sécu. Bon. Là, si vous permettez, je vais aller prendre un bain, ça va me détendre. Un bain? Mais moi, je tiens pas à passer ma soirée ici, moi. Ah bon? Eh ben, si mademoiselle peut pas rester, mademoiselle remonte dans son gourbi. Bravo pour la courtoisie, hein. Bon, ne faites pas attention, mademoiselle, il est un petit peu surmené en ce moment. Quelle époque, hein. Autrefois, la courtoisie d'un homme envers une femme était chose naturelle. Aujourd'hui, un couple entre quelque part, le type passe d'abord, et la fille se prend la porte dans la gueule. Remarquez, moi, dans un sens, mais moi, je me marre ici. Vous nous trouvez marrants. Oh, ouais. Catherine? Oui? Qu'est-ce que c'est que cette odeur de poisson dans la salle de bain? Ah bon? Ça sent. Comment ça sent? On se croirait sur un chalutier. Eh bien oui, eh bien figure-toi que j'ai voulu faire des trucs pour le dîner et je les ai mises dans la baignoire.
Des truites dans la baignoire. Oui, pour qu'elle reste bien fraîche. Et alors, je ne sais pas du tout ce qui s'est passé. Elles nageotaient joyeusement et elles ont fait une sorte de malaise. Trop de calcaire dans l'eau, sans doute. Je les ai retrouvées le ventre en l'air. J'ai préféré les jeter. On n'allait quand même pas manger des truites au calcaire. Des truites dans la baignoire. Non, mais Catherine! Georges! Mais enfin! Mademoiselle, les chips, placard de droite dans la cuisine. Mais comment donc? Et vous avez besoin de combien de temps pour que je les trouve? Une minute, ça sera parfait. Non, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Vous avez acheté les truites? Oui, oui, j'ai essayé. Ça marche. Mais vous avez dit que vous abandonniez l'idée. Mais c'est ça c'est pour que vous me fichiez la paix. Vous savez ce qui va m'arriver? Parce que ça, il va le faire. Il va me tuer. Quand des millions sont en jeu, les gens sont capables de faire n'importe quoi. Vous m'avez menti, c'est pas bien ça. Eh bien, tant pis, tenez. Alors moi, de toute façon, je ne peux plus reculer. Vous voulez me dénoncer? Dénoncez-moi. De toute façon, lui sera mort, moi je serai en prison, et votre petite conscience sera soulagée. Mademoiselle, revenez. Voilà, les chiffres de madame sont avancés. Et dis donc, vous savez, le coup d'échelle qui vend sur le dos, c'est génial. Et alors, rapport humain dans l'appartement, c'est magnifique. On dirait un match de boxe. Oh, remarquez, c'est génial d'étudier les étages intérieurs. Vous voulez un whisky, mademoiselle? Volontiers. Monsieur Morin. Mais vous ne pouvez pas. Mais si, je peux vous servir un grand whisky. Comment va votre travail, mademoiselle? Très bien, merci. Vous travaillez dans l'automobile, hein, c'est ça? En plein à côté, je suis dans l'agroalimentaire. Ah ouais, c'est très très bien ça, l'automobile, très très bien. Vous avez des perspectives d'évolution? Oui, Pôle emploi. Oh, très bien, très bien. Oh là là. Qu'est-ce que vous avez? Ça ne va pas? Je fais des petits malaises en ce moment, mais c'est rien, ça va passer. Il faut peut-être mieux appeler un médecin. Non, je vous dis que ça va passer. Un verre d'eau ou autre chose? Un verre d'eau avec du sucre, s'il vous plaît. Ok, ça marche, viens avec moi. Je vais vous aussi. Allez. Alors, vous allez chercher le verre d'eau. Tout s'est bien passé. Vous l'avez. J'ai ma barque. Alors là, on dirait un film muet. Alors là, c'est incroyable. Tout va bien. Tout va mieux. Tout va bien. Oui, mais le loup d'accueil. Hier, vous étiez mourant. Alors là, bon sang, mais quelle santé. Vous ne pourriez pas du record du 100 mètres. C'est incroyable. Oh, vous, ça va. Et vous nous ferez rigoler quand tu vous le demanderas, parce que là, c'est pas le moment. C'est franchement pas le moment. Hein, parce que là. Tout va bien. Philippe, ne tarde pas trop, on t'attend. Oh, le toupet. Je dois dire que quand il est dans son bain... C'est normal, il faut t'étendre après une dure journée de pots de vin, de fausses factures, de licenciements abusifs. Mais vous ne changez jamais de sujet, vous, hein? Les exclus pensent à une chose, toujours. Ils sont exclus. Alors ça, c'est incroyable. C'est incroyable ce que les pauvres peuvent donner comme importance à l'argent. Ici, c'est si peu important, je vois pas pourquoi les riches se tiennent à le garder pour eux. Je préfère abandonner parce que je me sens pas capable, alors pas capable. Ah non, pas capable. Vous restez là. Vous restez là parce que hier, vous étiez
tendu et vous avez failli faire une bêtise. Oh. Non, Georges, Georges, vous restez ici, sinon je vous attache au fauteuil. Ne m'abandonnez pas. Ça fait du bien. J'ai du noir sur le nez. C'est vous qui les mettez dans cet état? Ouais. J'aurais dit que je trouvais la maison marrante. Alors j'essaye d'être le plus drôle possible. Et mon whisky, il va venir tout seul? Non, 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 je vais te servir un... Un whisky? Moi, je me sens pas bien. Mais vous n'étonnez personne, mon vieux. Vous ne vous sentez jamais bien, vous. Et puis d'abord, qu'est-ce que vous faites chez moi à bouffer le pain des riches? Vous pouvez remonter chez vous maintenant. Et si vous avez envie d'ouvrir le gaz, faut pas vous gêner, surtout. Mais enfin, pourquoi vous lui parlez comme ça? Si ça se trouve, il est vraiment en train de faire quelque chose de grave. Et alors, c'est pas parce qu'il a failli mourir qu'il faut qu'il squatte mon appartement. Moi aussi, j'ai failli mourir. Ouais. J'étais dans ma baignoire. Je ne bougeais pas. Le petit radiateur sur l'étagère. D'un seul coup, plouf! Il tombe dans l'eau, dis donc. Je l'avais pas branché! La baracade! La baracade! Tous les jours, il faut une fois que je le branche pas. Plouf! Il s'écroule dans la baignoire. Et comment vous expliquez ça? Eh ben justement, je me l'explique pas. J'aimerais comprendre. Je voudrais pas que ça recommence. Mademoiselle, venez jeter un coup d'œil. Je vois pas pourquoi j'aurai un radio. Ne discutez pas, venez jeter un coup d'œil, c'est au fond là-bas. Allez. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, j'ai jeté le radiateur dans la baignoire, je pouvais pas deviner qu'il était débranché. Alors lui, il a du pot. Lui, il a du pot, ça c'est sûr. Vous m'auriez fait ça à moi. Le radiateur aurait été branché. Non, vous l'auriez poussé pile poil au moment où il y avait surtension. Non, vous ne pouvez pas regretter. Vous avez raté votre coup, c'est préférable. Mais vous êtes complètement inconscient, vous savez ce qui va m'arriver? Il va me tuer parce que moi je l'ai loupé, mais lui il va réussir. Mais non. Écoutez, madame Chabrier, pensez pour le moment. Hein. Le temps de trouver une solution. Vous savez, une femme qui n'aime plus son mari mais qui reste quand même avec lui, c'est très courant. Ah oui, mais moi je risque d'y laisser ma peau. Mais qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Je sais pas. Alors? À force de le brancher, de débrancher, il a dû se déplacer et... Plouf! Bah bien sûr! Plouf! Oui, c'est sûrement ça! C'est forcément ça! Hein? Tous ces appareils sont fabriqués à la vite. Alors qu'ils soient bien fabriqués ou non, un constructeur s'en fout. Enfin moi, ça me fait penser, enfin c'était autrefois, mais comme j'ai... Oh bien, me chatouille, hein. Comme mon père fabriquait un buffet, pas question qu'il soit bancal, hein. Bon, c'est fini vos conneries maintenant, là, hein? Le radiateur qui tombe tout seul dans la baignoire, hein? Mais c'était un accident! Ta gueule, toi! Le radiateur qui tombe tout seul dans la baignoire, hein? N'importe quoi! À la chance inouïe que tu sois encore en vie ce soir! Tu prends pour un imbécile? Tu veux que j'appelle la police? Tu veux que je leur dise que tu as voulu me tuer? Mais vas-y, appelle-la, la police! Vas-y, appelle-la! C'est le directeur! Ta gueule, toi! Vas-y, appelle-la, parce que moi, je vais leur dire que tu as voulu me jeter sous le métro! Quoi? Moi, j'ai voulu! Toi, t'es un pauvre type qui va au plus ça va finir mal! Tu m'as lancé un trapport! Ça va finir mal! Je vais te tuer! Mais j'ai même pas peur, t'as rien dans le ventre! Mais non, de Dieu, non, de Dieu, non, non! Et vous, c'est pareil, tout le monde dehors, dehors, allez, dehors! Tout le monde dehors! Allez, ouais! Tout le monde dehors! Vous aurez vous aussi, tout le monde dehors! Ça va pas se passer. Milan. Allô, Laurent? C'est Philippe? Non, ça va pas! Qu'est-ce qu'il est folle, il faut que tu l'internes dans ta clinique! Hein? Quoi?
Il faut que tu l'examines d'abord. Oh, non, c'est urgent, tu sais. C'est la camisole de force qu'il lui faut. Quoi? Il faut que tu l'examines d'abord. Attends. Elle a essayé de m'électrocuter dans ma baignoire. Elle est détruite. Quoi? Il faut que tu m'examines d'abord. Non, c'est pas une blague. Oh, c'est pas possible. Monsieur le directeur, quoi. Un drame. Votre femme. Elle est tombée dans la cage d'ascenseur. La porte était ouverte et... morte sur le coup. Non, Catherine? Oui. Stop! Pardon? J'ai dit stop! C'est difficile à comprendre, ça? Fini la baraquage, Fabrier. La police sera là dans un instant. Et je vais lui dire que c'est vous qui avez poussé votre femme dans l'ascenseur. Oh, j'ai pas le temps d'écouter votre... Stop! Ta femme voulait divorcer en emportant la moitié de ta fortune. Elle m'a pris rendez-vous chez un avocat, c'est facilement contrôlable. Et pourquoi vous feriez ça, vous? Je le ferai pas si tu me ramènes 3 millions d'euros. Vous voulez priquer 3 millions à moi? Vous savez qui je suis? Vous savez qui est en face de vous? Vous savez qui vous parlez, là, espèce de vieux machin? Parfaitement. Et plus je te regarde, plus je vois un type qui va s'écraser. Parce que la vie, c'est comme ça, Chabrier. Le plus fort gagne. Soyons raisonnables, monsieur Moin, soyons raisonnables. Ta gueule! Des moins plus rouges, j'en ai dégommé des centaines, moi. Des centaines! Alors, mon fric, vous le verrez jamais. Jamais! D'ailleurs, les voisines qui étaient sur le palier diront que vous mentez. Vous vous trompez, monsieur Chabrier. Vous vous trompez. On a tout vu. Vous avez poussé votre femme dans le vide. Je vais pas bouger d'ici. N'amène pas le courage de ses actes. Bon, enfin, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Vous, madame, savez aussi bien non, que moi que... Nous savons que vous êtes un abominable personnage. Cette pauvre madame Chabrier s'est accrochée à la grille pour vous échapper. Mais vous l'avez frappée, giflée. On a voulu l'aider, mais vous étiez comme un fou. Et puis, vous l'avez poussé du cinquième étage. Bon, enfin, dites quelque chose, monsieur Morin. Ta gueule! Comment vous faites ça? Pour le fric, Chabrier. Mademoiselle. Exécution! Assassin! Pousseur de femmes! Vous êtes la honte du patronat français! Le déshonneur de la bourgeoisie! Allez, on se dépêche, nom de Dieu! Et on se dépêche, nom de Dieu! J'ai pas eu le temps de compter, hein! Je m'en occupe, hein. Ah bon? Catherine? Quelle surprise, hein! Tu es vivante? Je suis heureux, tu peux pas savoir. Fais s'asseoir. C'est une petite idée de monsieur Morin. Asseyez-vous. Alors écoute-moi bien, Philippe. Ou tu acceptes de divorcer, ou nous allons tous les quatre témoigner que tu as tenté de me tuer. D'accord? Je me sens pas bien, là. J'ai comme une barre, hein. Il est d'accord. Alors, ça c'est pour vous. Oh ben non! Ça, c'est pour vous. Oh ben non! Et ça, c'est pour vous. Oh ben non! Oh ta gueule! Dans le fond, c'est plutôt agréable d'être malhonnête. Oh ben non! Si j'avais su, j'aurais commencé plus tôt.